Aujourd'hui, on est samedi matin et je suis encore dans mon lit. Il est 8h33 et il y a mon petit Roméo à côté de moi. Trop mignon. Oh. De temps en temps, enfin en fait, il vient pas dormir à côté de moi, mais de temps en temps, le matin, quand je suis encore au lit, il vient vers moi, il se couche près de moi. C'est très mignon, j'aime beaucoup. Donc je vais faire un petit vlog. Aujourd'hui, nous sommes le 2 mars. Voilà, et puis ben, je pense que je vais finir filmer un petit peu mon week-end. Thank you.
pour Instagram. Et j'ai aussi fait un tirage pour une amie, parce qu'avec une amie, on se fait souvent des tirages quotidiens. C'est chouette, une ou deux cartes par jour, ou bien quand on le sent, en fait, finalement, pour revoir un petit peu les énergies. Et c'est hyper enrichissant, vraiment, parce qu'on a la même énergie un peu dans le cœur et dans la douceur. Donc ça nous convient parfaitement. Voilà, ces guidances-là. Parfois, c'est pas facile de trouver des gens avec qui se guider mutuellement, mais là c'est vraiment parfait, tip top. Voilà. Donc on s'est fait un tirage de cartes, enfin je lui ai fait, et après voilà, on se fait en ping-pong comme ça dans la journée ou le jour d'après, tout ça. Voilà, on se fait mutuellement des tirages et c'est quelque chose de précieux pour moi. Voilà. I'm going back to a time when we owned this town. Gunpowder Mill Lane and the battlegrounds. We were friends and lovers and clueless clowns. I didn't know I was finding out how I'd be torn from you. When we talked about things we were gonna do, you were wide-eyed dreamers and wise. Voilà, je me suis habillée, maquillée, etc. Voilà, j'adore ce veston. J'aime bien le côté un petit peu rock, un peu yang en ce moment, masculin quoi. J'aime bien. Voilà, je suis un peu dans l'action, un peu dans le côté yang, donc ça, c'est bien, ça renforce ça. Et puis, je voulais vous montrer, à 7 ans, je lis... ce livre, c'est le tome 1 du Paris des Merveilles de Pierre Pével. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, j'avais acheté il y a assez longtemps, le tome 5, en fait, sans savoir que c'était le tome 5. Du coup, je l'avais commencé, mais je ne connaissais pas encore les personnages et tout, puisque c'était la suite. Je me suis dit, bon, je le commence quand même. Et tout, j'avais pas vraiment remarqué que c'était le tome 5. Hop, c'était celui-ci. J'aime bien la fourre. Voilà. Bon, comme ça, j'aurai déjà le tome 5. Je crois qu'il y a 6 tomes, il me semble, en tout. Voilà, c'est des romans fantastiques, fantasy, magique, en fait. Et c'est super cool. Il y a plein de personnages attachants. Ouais, il y a des femmes, des hommes, des mages, des fées, des sorcières, des... Voilà, plein de personnages que j'aime en fait, qui sont dans l'univers enchanté. Et puis voilà, j'avais envie de changer un petit peu, parce que moi je suis plus roman quotidien, roman véridique quoi, roman de la vie réaliste on va dire, normalement. Mais là j'avais envie de changer, puis de partir un peu sur le fantasy. C'est la première série fantasy que je lis en fait, et ça me convient, j'aime bien. En fait, même s'il y a des moments un petit peu plus sombres où, bien sûr, il y a des... il y a un petit peu des duels, des trucs comme ça. Mais j'aime bien, c'est cool. J'en suis à la page 125, déjà, au chapitre 12. J'avance vite. Et du coup, je devrais le rendre pour fin mars. Et on est début mars. Donc non, j'ai encore un mois pour le lire. Je l'ai pris à la bibliothèque. Voilà, donc c'est cool. Donc je vous le conseille vraiment. Si vous aimez l'univers un peu féerique, en plus il y a des chats qui sont un petit peu des chats ailés. Et du coup, ils sont hyper sages et tout. Hyper malins, enfin comme nos chats dans la vie quotidienne. Voilà, et ça se passe à Paris.
ville que j'aime aussi. Donc, souvent les romans que je prends, ils se passent à Paris. Je dois avoir un lien avec cette ville, je sais pas, mais ça me, à chaque fois, j'aime beaucoup cet univers. Voilà. Donc, je vais lire ce tome-là. Je vais lire les cinq autres, s'il y en a six. Voilà, je me réjouis d'entrer dans cet univers. Je trouve ça cool d'avoir une série pour pouvoir déjà connaître les personnages et entrer vraiment dans l'univers de façon profonde, quoi. Moi, cet univers magique, ça me permet de voyager et d'avoir cet effet lecture vraiment enrichissant, quoi. De partir un petit peu dans un autre monde, c'est cool. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, si vous connaissez ces livres, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Je serais intéressée. Voilà. Et puis, je pense que je vais emprunter les autres à la bibliothèque. Et en tout cas, j'aime beaucoup les couvertures. C'est tellement beau. Voilà. Du coup, maintenant, je vais faire l'aspirateur, ranger un petit peu. Et si j'ai la motivation, laver aussi la salle de bain et tout ça. En général, je fais le ménage le samedi. Mais voilà, parfois je fais en deux fois, le samedi et dimanche. Je vais voir parce que là il est déjà 10h. On verra la motivation que j'ai. Et vous voyez cette plante-là, j'aime beaucoup, c'est du coton. C'est un ami qui me l'a offerte. Voilà, j'aime beaucoup. C'est. Pour la déco, je trouve que c'est cool en fait. Parce qu'il n'y a pas besoin d'arroser. Et puis voilà, c'est une belle déco, je trouve, sur ma cheminée. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Et voilà, je suis contente, j'ai réussi à presque tout faire. J'ai même voilà, j'ai nettoyé la salle de bain et il me reste plus qu'à faire à passer la panneuse, enfin la serpillière pour les Français ici et dans la chambre. Et sinon il me reste plus qu'à pendre ma lessive aussi. Voilà, c'est trop bien, j'ai réussi à tout faire. Il est midi 5, c'est parfait. Et puis là je mange du coup. Désolée de parler en mangeant. Et voilà, cet après-midi, je vais aller, je pense, acheter une plante. J'ai envie de plantes. On va voir si j'en achète plusieurs ou une. Et puis, peut-être quelques trucs de décoration. Voilà, j'ai envie de mettre un petit peu d'autres choses dans mon appartement pour le printemps. Et voilà.
Et donc aujourd'hui, je me suis faite donc des pommes de terre, une bonne salade avec des lentilles et puis une tartine comme ça au fromage blanc. Et avec ça, c'est de la charcuterie, voilà, mais pour les végétariens. Donc il y a des poivrons, il y a de l'huile de colza, des champignons cornes, des blancs d'œufs. Voilà, je sais pas trop si c'est bon pour la santé, mais j'aime bien le goût. Voilà, c'est la deuxième fois que je prends ça, et ouais, j'aime bien avec les poivrons et tout. Voilà, voilà. Et je me suis fait un petit thé au tilleul. J'aime bien l'hiver, comme ça, boire du thé. Et je voulais aussi vous dire... Ah oui, le fromage blanc, ben, ça c'est aux herbes, tout simple. Et je voulais aussi vous dire que j'ai acheté du sel de l'Himalaya dans un magasin ésotérique. J'ai aussi acheté un nouveau pendule, que je vais vous montrer après. Et puis, donc, le sel de l'Himalaya, c'est très bien, c'est... pour purifier ben, soit les lieux, soit les pierres, soit les objets, et puis les oracles aussi. Là, je me suis fait aussi un bain de pied il n'y a pas très longtemps, quand j'ai acheté le sel. Et parce que j'ai pas de baignoire, du coup, ce serait bien de faire un bain avec du sel de l'Himalaya, mais là, je fais plutôt bain de pied. Il y a Roméo qui fait du bruit, je sais pas ce qu'il fait. Ah, je pense qu'il veut rentrer dans l'armoire. On va voir ça. Roméo! Ah non, je sais pas ce qu'il fait. Je pense qu'il va aller dehors, mais... Bref, voilà. Donc, on peut l'utiliser de toutes sortes de manières et j'aime beaucoup. Et puis là, du coup, j'ai mis aussi dans ma petite salière. Comme ça, j'en mets dans mes plats. C'est trop bien. Voilà, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Et je vais terminer mon ménage tout à l'heure. Mon repas. Tranquille, me faire un petit café. Et puis après j'irai faire les courses et je vous montrerai. Voilà. Thank you.
Ça y est, je suis revenue des courses. Ah, bah Roméo veut sortir apparemment. Roméo. Oui, mon chat. Allez, hop. Voilà. Tac. Alors, je suis revenue des courses et j'ai acheté du coup une plante que je vous montre ici. Check. Et j'ai mis un petit pot avec que j'avais. Voilà. Sinon, ça faisait un peu vide. Voilà, je l'aime beaucoup. Je sais pas comment elle s'appelle. Diefenbaoya. Je connais pas. Je ne connais pas. Mais j'aime beaucoup cette sorte un petit peu sauvage comme ça. J'en ai aussi une ici, oui. Mais c'est une autre sorte ici. Voilà. Donc mon but, c'est de me racheter petit à petit des plantes. J'aime beaucoup les plantes pour décorer, et simplement pour en prendre soin moi. Et je pense qu'elles se plaisent bien chez moi parce qu'il y a pas mal de lumière et tout. Voilà. Et puis ce printemps, ben, en mars-avril, là, je vais commencer à faire mon jardin parce que j'ai un potager et du coup je pourrai faire mes propres légumes et je vais aussi planter des fleurs, ça va être joli. Voilà. Alors sinon j'ai fait quelques courses, j'ai pas acheté de déco finalement parce que j'ai pas trouvé, puis la déco c'est vrai que, enfin j'ai pas trouvé ce que j'aimais et la déco je préfère presque en magasin d'occasion. Parce que j'aime bien la déco vintage, alors je vais voir peut-être sur Facebook Market ou des trucs comme ça pour voir s'il y a des décos sympas, voilà. Puis en plus c'est moins cher, donc c'est parfait. J'ai acheté du sirop d'agave, voilà, je connais pas, je voulais essayer. C'est une plante, donc c'est bio et j'ai acheté chez Aldi. Je suis passée chez Aldi parce que je vais rarement, quasiment jamais. Du coup, ben, il y a des trucs un peu spéciaux, donc voilà, je voulais essayer. Sinon, j'ai acheté des mangues séchées. Voilà, j'aime bien les fruits secs. J'ai acheté des pistaches parce que c'était pas trop cher là-bas. Et sinon, au magasin normaux, c'est assez cher, quoi. Voilà, et j'aime bien les pistaches. Et j'ai acheté de la mozzarella parce que je pense faire une pizza bientôt. Voilà, et j'ai acheté aussi des petites friandises pour Roméo. voilà. Voilà, c'est tout. J'ai pas acheté énormément de choses. J'ai fait un petit goûter comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et voilà. Et ce soir, ben, je vais faire une petite soirée tranquille. Je vais me faire un petit repas et puis peut-être un petit film. Et voilà. Et je vais voir si je filmerai encore ou bien non. On verra. Et si jamais je ferai la conclusion du vlog demain, voilà. Bonjour, pour moi il est dimanche matin, le 3 mars, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vais donc conclure ce vlog. Aujourd'hui je me suis levée assez tôt, il est 7h30, c'est Roméo qui m'a réveillée bien sûr, il me réveille entre 6h30 et 7h en général, voilà, et soit j'arrive à redormir après, mais des fois pas, voilà, et là non. Mais j'avais envie de me lever tôt pour faire des choses aujourd'hui. Et voilà, je pense que je vais faire quand même assez tranquille. Je vais aller me promener dans la nature, je vais faire des choses créatives pour moi aussi. Peut-être des choses un peu administratives aussi. Et je vais aussi monter ce vlog. J'aime bien, voilà, j'aime bien faire le montage des vidéos assez rapidement. Comme ça, vous aurez ce vlog ben, soit aujourd'hui, soit demain. Ouais. Et ça c'est chouette, j'adore faire le montage et j'adore faire les vlogs aussi. Voilà, vous parler, filmer, c'est des trucs que j'aime beaucoup, qui rejoignent le côté artistique aussi. Donc merci beaucoup d'être sur ma chaîne, de me suivre et voilà.
voilà, n'hésitez pas à partager des choses sur vous aussi, ça m'intéresse si vous avez des choses à partager. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.